Le chef d'Al-Qaïda accuse les États-Unis d'avoir comploté avec l'armée égyptienne pour faire tomber le président islamiste Mohamed Morsi. L'Égyptien Ayman al-Zawahiri s'est exprimé dans un message audio diffusé sur des sites djihadistes. Il a appelé en outre les partisans du président déchu à rejeter la démocratie et les élections pour se concentrer sur l'application stricte de la charia, la loi islamique. Ce message intervient alors que sur le terrain, le bras de fer se durcit entre les autorités et les pro-Morsi déterminés à continuer leur mobilisation. Hier, la police a notamment chargé devant un complexe abritant des médias égyptiens que les islamistes accusent de complaisance à l'égard du pouvoir. Malgré les menaces d'intervention des forces de l'ordre, les partisans des frères musulmans refusent toujours de quitter les deux places du Caire qu'ils occupent depuis un mois.